Good morgen, allez-y, Daniel Tutre, aujourd'hui le Lunishmat, Amram Yuna ben Machana, Machlouf Micha ben Masuda, Rivka bat Levi Yitzhak, Avram Chenor ben Ben Fortune Mazal, Dov ben Yudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez vous citer une prochaine issue de deux Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Midot, Perek Alef Mishnachet, Bet Hamoked Kippa, Mubait Gadolaya, Mukaf, Rovadin, Shel Even, Vezikne Bet Av Yeshenim Sham, מפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה, איש כיסתו בארץ. On continue depuis la Mishnah Vav à décrire le Bet HaMoked. On avait expliqué un peu dans la Zara les différentes portes qu'il y avait de la Zara, les Sheharim. Après, on était passé dans la partie nord, en découvrant le Bet HaMitzot et le Shar HaKorban, et puis après le Bet HaMoked. Le Bet HaMoked, c'était... on a déjà expliqué quoi dans le Mishnah précédent, on fait quand même une petite révision très rapide. Prenez dans la page en PDF, ça correspond à la page 3 en haut à gauche, et vous avez ce dessin, je vous l'approche de la caméra. Ouais, on n'a pas exactement la même version, mais c'est un format un peu plus grand. Le Bet HaMoked, c'est cette construction là qui dépasse, qui a une coupelle dessus. Et une coupole dessus, et ça se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire que ça dépassait comme ça à l'extérieur, d'accord? Maintenant, on a, dans les Mishnah précédentes, on a un petit peu, on a décrit les quelques cabines qu'il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on en faisait, et puis à présent, on va s'intéresser à l'essentiel du Bet HaMoked. Et la Mishnah me dit, Bet HaMoked, la bête, la maison de la, du feu de camp, du feu. Pourquoi? Parce que, comme on avait expliqué, il y avait là-bas un feu qui était allumé pour que lorsque les Kohanim qui servaient pieds nus, lorsqu'ils avaient trop froid, ils rentraient un petit peu, ils se réchauffaient un petit peu devant la flamme et ils repartaient. Donc, ce Bet HaMoked, il était en forme de kippa, en forme de... une coupole. Il avait une coupole, c'est-à-dire il n'avait pas un toit plat sur lequel les Kohanim, les Lévim pouvaient monter la garde. Et puisque c'était arrondi, donc les Lévim étaient dehors et les Kohanim étaient à l'intérieur, comme ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah, ça va être précisé. Et donc elle est en forme de kippa, ou veit gadol haya. Et c'était une très grande pièce à l'intérieur. Mokaf rovdin shel even, qui était entourée de lignes de pierre. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va prendre le dessin. Un des tout premiers dessins de la Mishnah, chez moi c'est page 3 dans la version papier, mais chez vous c'est page 2 en haut à gauche, de nouveau, et je vous l'approche d'ici, c'est ce dessin-là, regardez, vous voyez ça, c'est une coupe du Bet HaMoked vue d'en haut lorsqu'on enlevait le toit. Et vous voyez ici et là, dans ces deux endroits, vous voyez qu'on a des... dans le dessin, ils nous ont mis des... On voit comme des formes d'escalier assez larges, en pierre, où les Kohanim se couchaient pour dormir. Dans le Bet HaMoked, les Kohanim allaient se reposer, et après on va expliquer un petit peu selon quel ordre ils se reposaient, selon quel ordre ils se relayaient en fait. Et donc la Mishnah me dit pour le moment, Zikne Bet Av Yeshenim Sham, les vieux du Bet Av, de la famille de service, dormaient là-bas, ou Mafterot Azara Beyadam, et ils avaient les clés de l'Azara dans leurs mains. Ce qui n'est pas exact non plus, comme on va le préciser, mais d'abord je finis la phrase. Ou pirche keuna, et les jeunes Kohanim, les Kohanim fleurissants. C'est en rapport à la barbe, en fait, que quand elle commence à pousser, on dirait quand la barbe commence à pousser chez les jeunes hommes, on dirait des bourgeons comme ça qui closent un petit peu, on voit un petit peu des poils qui ne sont pas bien organisés. C'est pour ça qu'on les appelle les pirche keuna, comme perar des fleurs. Ish kisto baaretz, eux dormaient par terre avec chacun. Soit son vêtement, soit son matelas, il y a deux interprétations, le jeune Karv et Kesset. J'explique un petit peu mieux comment ça se passe. D'abord, il y avait, vous savez bien qu'il y avait un relais de 24 familles au Bet HaMikdash. Chaque semaine, il y avait une nouvelle famille qui venait. Une nouvelle famille de Kohanim, on avait 24, donc ça faisait deux tours par an, et pendant les fêtes, tout le monde venait servir en même temps. Il y avait maintenant, dans chaque famille qui venait, elle était ensuite divisée en 7 sous-famille, comme ça le partenaire nous précise, 7 sous-familles, et que chacune avait sa journée qui démarrait depuis le soir jusqu'au lendemain. Ils dormaient, maintenant, lorsque leur tour de servir au Bet HaMikdash était là, arrivé, alors ils devaient dormir
dans le Beth Amoked, comme un peu la... C'était fréquent apparemment à l'époque, que comme la cour royale, les gardes du roi, ils somnolaient, ils étaient prêts à surgir à chaque instant et à prendre les choses en main. Ils ne partaient pas dormir profond lorsqu'ils montaient la garde. Et bien la même chose, les Kohanim qui étaient de garde, qui étaient en préparation pour le lendemain pour faire la Avoda, et bien ils devaient dormir de manière assez légère. Et donc, du coup, on avait bien sûr les plus âgés de la famille des Kohanim qui dormaient sur les fameuses pierres, tandis que les autres, les plus jeunes Kohanim, eux, dormaient franchement par terre. Et ils dormaient franchement par terre, avec, malgré tout, comme on a dit, qu'ils avaient la petite cassette, le petit... Cassette, ça peut traduire carve, et cassette carve, c'est le cousin. La cassette, c'est une sorte de tissu un peu épais qu'on met en guise de matelas, on le met par terre. Et maintenant, la Mishnah m'a précisé que les vieux de la famille, c'est eux qui avaient les clés en main. Ils avaient les clés de la Hazara en main. On apprendra dans la Mishnah que c'est pas exact. Les clés, elles n'étaient pas en main. Ils les avaient pas en main. Il y avait un endroit spécial où les clés de la Hazara étaient posées, comme on va le découvrir longuement dans la Mishnah. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient les maftechot à Hazara Beyadam? Ils avaient les clés de la Hazara dans les mains, dans leurs mains. Dans leurs mains, c'est-à-dire dans leur sous-contrôle. C'est eux qui contrôlaient les clés. Personne ne pouvait toucher sans leur accord. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.